La première autopsie que vous ayez pratiquée sous votre propre responsabilité, c'était quand ? Et c'était laquelle ? La mort, tous les jours, la mort banalisée. Pense-t-on encore à la mort quand on vit et travaille dans ces couloirs de l'Institut médico-légal de Lyon, la morgue? À Lyon, il existe une vieille tradition de médecine légale. Le professeur Lacassagne fut un des pionniers de cette discipline où le médecin est autant médecin que détective. Le docteur David est l'un des successeurs du grand homme. Ça fait combien de temps, docteur, que vous-même vous fréquentez les morts ? Ah, ça fait plus de 20 ans maintenant. Ça fait 24 ans exactement. Et des milliers de morts, alors ? Des milliers de morts, oui, bien sûr. Pourquoi avez-vous choisi cette discipline ? Oh, pourquoi j'ai choisi cette discipline ? Parce qu'elle m'a intéressé très tôt. Et qu'effectivement, j'ai eu un maître qui m'a beaucoup intéressé dans cette discipline et j'ai continué avec lui. Malgré la mort, malgré les cadavres, malgré... Oui, malgré la mort, malgré les cadavres. Vous savez, c'est pas si impressionnant qu'on veut bien le dire, parce que d'abord, ça ne représente qu'une petite partie de notre activité. Ça représente moins de 10% de notre activité. Et puis, il y a un élément, d'abord, c'est une recherche très intéressante, savoir de quoi les gens sont morts. Et puis, il y a un aspect, aussi un aspect qui est très intéressant, c'est le contact avec les familles. Il faut quand même pas oublier que nous voyons des gens qui sont morts de mort violente, ce qui représente pour les familles un deuil très important, quelque chose de considérable. On a vu plus important. Encore plus important qu'une mort, j'allais dire naturelle, de maladie, où quelqu'un peut progressivement s'habituer à la mort de celui qui lui est cher. Tandis que là, ces gens meurent très brutalement. Et il faut avoir un contact avec eux. Et c'est là, si vous voulez, un des aspects, je trouve, très intéressant de notre institut, où il y a, dans cet institut, une assistante sociale pour enseigner immédiatement les familles, pour essayer de leur faire comprendre la mort du sujet. Et après, eh bien, ces personnes, ces familles viennent nous voir, où nous leur donnons systématiquement toutes les explications qu'ils veulent. Un médecin légiste, c'est un détective aussi, non ? Oh, c'est un grand mot, c'est quand on dit un détective. Non, en fait, il faut très bien faire son travail, le mieux possible, et au cours de l'autopsie, on va pouvoir découvrir beaucoup d'éléments, beaucoup de choses. Et ces choses que l'on va découvrir, la cause de la mort. Il doit falloir oublier plein de choses quand même. L'aspect du cadavre, les odeurs, tout ça, il y a plein de choses désagréables, enfin qu'on imagine en tout cas de l'extérieur de façon très désagréable. Oui, c'est vrai que c'est pas le côté le plus attirant, l'odeur du cadavre, c'est vrai, dans quelques cas. Mais c'est découvrir, il faut rechercher. Vous imaginez, vous, là, quand vous avez un sujet sur la table, là, vous imaginez sa vie, ce qu'il a été, ou c'est quelqu'un d'anonyme? Non, c'est quelqu'un d'anonyme dans la plupart des cas, bien sûr. Difficile d'imaginer, c'est sur un cadavre difficile d'imaginer qui c'est. Et c'est délicat. Vous avez envie d'imaginer ou pas ? Ou ça ne vous intéresse pas ? De temps à autre, si. L'envie d'imaginer, qu'est-ce que ça représente ? Pas un type qui a été fait à coup de revolver, là, c'est peut-être... Oui. Oui, effectivement, on peut avoir envie d'imaginer de temps en temps, mais ça ne correspond pas bien au travail que nous faisons. Nous avons un travail qui est, j'allais dire, très scientifique, qui est extrêmement, qui a une rigueur, et dès qu'on imagine, ben, on a déjà plus beaucoup moins de rigueur. Et c'est perdre plus... de l'objectivité. Oui, certes. La première autopsie que vous ayez pratiquée sous votre propre responsabilité, c'était quand ? Et c'était laquelle ? 58, je l'ai oublié. Vous l'avez oublié ? Oui, je l'ai oublié, celle-là, bien sûr. On peut l'oublier, la première ? Oh oui, on peut l'oublier, parce que ça n'était pas la première autopsie que je faisais, c'était la première autopsie que je faisais sous ma propre responsabilité. Alors effectivement, j'ai oublié celle-là. Il y a eu des personnages de médecins légistes très, très célèbres, même un peu presque folkloriques. Oui, bien sûr. Bien sûr. Ce qui est actuellement plus possible, je crois. Alors, autrefois, il y avait ces gens qui étaient... Docteur Paul. Oui, c'est ça. Je vois très bien qui vous parlez, docteur Paul. C'était un homme, oui, c'est vrai, qui était même assez folklorique. L'humour, le rire, ça doit aider à mieux faire passer les choses.
L'humour, oui. Le rire devant le cadavre, on n'a jamais bien envie de rire. Ouais. Jamais. Non. Après ? Oui, peut-être après, effectivement. Mais devant, c'est toujours difficile. Si vous veniez, enfin, dans nos salles d'autopsie, si vous venez voir une autopsie, vous verrez qu'effectivement, personne ne pleure. Mais il y a un respect du cadavre, quoi qu'il en soit. Et s'il est difficile de passer outre. Et en fait, je pense que quelqu'un qui passerait outre serait assez mal vu. Mais mal vu par le médecin, par les garçons de salle ? Par tous ceux qui sont là et qui font l'autopsie. Que ce soit les garçons de salle, que ce soit le médecin, que ce soit... Pas de plaisanterie de carabin, hein. Non, c'est terminé, ça. Oh, c'est terminé. La plaisanterie de carabin, elle existe toujours au moment, dans les amphithéâtres d'anatomie, où l'on disait qu'on a 18 ans, et c'est la plaisanterie de carabin. Après, c'est terminé. Mais quand même, quand vous sortez d'ici, vous plaisantez volontiers avec les gens. Oui, bien sûr. Alors, je pense que je suis d'un caractère très gai, et que le fait de faire des autopsies, pour modifier mon caractère, et ne m'a pas rendu ni triste, ni... Il y a des autopsies plus angoissantes quand même que les autres ? Peut-être, oui. Je pense qu'en particulier, on a toujours remarqué, les autopsies d'enfants sont plus angoissantes. Un enfant, c'est pas fait pour mourir. Ça présente toujours des... Ça a toujours une certaine difficulté, de la part de tout le monde. Oui, oui. Vous êtes arrivé d'autopsier des gens que vous connaissiez ? Oui. Ça doit être terrible, ça. Difficile. Ah, oui, c'est difficile. Et nous sommes actuellement suffisamment nombreux pour ne pas faire ce genre d'autopsie. Si nous connaissons quelqu'un, nous demandons qu'on nous décharge de l'autopsie. Est-ce qu'on peut s'habituer à la mort ? Est-ce qu'on peut s'habituer à vivre avec la mort ? Parce que vous soyez là ou dans votre laboratoire, c'est toujours la mort qui est en question. Oui. Je ne pense pas qu'on puisse le poser en ces termes. Est-ce qu'on peut s'habituer à la mort ? Oui, bien sûr, on peut considérer que la mort, c'est un phénomène normal. Et oui, c'est un phénomène absolument normal, la mort. Qu'on s'y habitue en la trouvant négligeable ? Certainement pas. Certainement pas, non. Vous pensez parfois à votre mort quand vous êtes ici, table d'autopsie ? Oui, c'est certain qu'un jour ou l'autre, alors Dieu merci, on n'y pense pas tous les jours, mais un jour ou l'autre, on pense à la mort. Vous savez, plus on vieillit, plus on s'aperçoit que les gens dont on fait l'autopsie arrivent à votre âge. Et qu'il est évident qu'il y a 20 ans, lorsque je faisais une autopsie de quelqu'un qui avait mon âge aujourd'hui, et je dis toujours, moi, qui avait l'âge de mon patron de ce temps-là, je disais à mon patron, oh, c'est à peu près, c'est normal, il est mort à cet âge-là, et mon patron lui dit, mais c'est pas normal. C'est vrai, c'est pas normal. Et moi, aujourd'hui, je considère que c'est pas normal de mourir à cet âge-là. Et effectivement, je pense que c'est une question de génération. Quoi. Êtes-vous parfois lassé par ce métier ? Non. Non, pas du tout. Absolument pas. Je trouve que c'est très intéressant. On a une formation, j'allais dire, continue. C'est-à-dire que, bien qu'on ait fait beaucoup d'autopsies, on découvre toujours quelque chose de nouveau. Il y a toujours un élément particulier à découvrir. Puis il y a toujours des recherches à faire, qu'elles soient d'ailleurs simplement d'ordre thanatologique pour la mort elle-même ou d'un ordre thérapeutique. Il faut quand même bien savoir que si aujourd'hui les accidents de la circulation, les traumatismes crâniens très sévères meurent beaucoup moins qu'il y a 20 ans, c'est qu'on a fait beaucoup l'autopsie de ces gens-là et qu'on s'est aperçu ce qu'est-ce qu'il fallait faire, quelles sont les notions thérapeutiques qu'il faut peut-être faire évoluer. La mort sert à la vie. Oui, oui, bien sûr, la mort sert à la vie. Je pense que c'est un des caractères très importants de l'intérêt de ces autopsies. C'est-à-dire que l'intérêt de ces autopsies, elle est de temps en temps de dire, eh bien, il faudrait peut-être faire ceci ou cela et modifier un peu les possibilités thérapeutiques. Oui, bien sûr. Est-ce que les morts sont encore pour vous quelquefois des gens qui ont vécu, ou ce sont simplement... Non, c'est toujours quelqu'un qui a vécu, vous savez, c'est toujours un homme, c'est toujours une femme. On n'a pas cette idée quelquefois quand tous les gens de cette espèce de coupure immédiate au moment de la mort. Et effectivement, la mort c'est toujours encore une personne. Vous en parlez ce soir en rentrant chez vous ? Quelquefois, oui. Oui, quelquefois.
cherchant à savoir une femme qui est médecin aussi, alors... C'est plus facile. Oui, c'est plus facile, on a des possibilités. Il faut en parler, à votre avis? Vous avez besoin d'en parler? Je ne pense pas que j'ai souvent besoin d'en parler. Peut-être quelquefois, oui, besoin d'en parler. Un cas très particulier, une chose que je n'ai jamais vue, quelque chose d'exceptionnel, oui, peut-être besoin d'en parler. Si vous n'aviez pas été médecin légiste, quelle discipline en médecine auriez-vous exercé? En discipline que j'aurais exercé, je pense celle à laquelle je me destinais au départ. J'étais de formation de gynécologie et d'accouchement. Et puis j'ai oublié. Entre s'occuper des morts et mettre au monde des enfants. C'est vrai, c'est vrai. L'alpha et l'oméga, oui, oui.